depuis le début. Et aujourd'hui, on a quelqu'un qui a montré l'exemple, qui a montré l'exemple au plus haut niveau de ce qu'était l'engagement. Allez, direction Abbas, le sud des Landes, la Chalosse, la terre de basket, petit club de division d'honneur. Ça va être sympa. Allez, on y va. J'ai vu quelques images grâce à cette tablette de votre match de dimanche dernier. Je vais pouvoir amener peut-être ma pierre à l'édifice et vous donner quelques conseils, mais avec grande humilité de ma part. Voilà. Abbas, la capitale du monde, c'est ça? Non. Abbas, ça se situe à, je sais pas, un quart d'heure de Dax. J'ai commencé le basket à l'âge de 4 ans. À l'âge de 18 ans, je suis parti jouer au rugby à Abbas et voilà, et là ça se passe très bien. C'est ma troisième année cette année. Moi, ce que j'adore dans ce club, c'est l'ambiance. On est tous très soudés, on est tous très copains. Les troisièmes mi-temps. On fait sans protection, sans bouclier. D'accord. Là, c'est, ils sont demandeurs, donc c'est sûr. Clash, clash. Voilà, bien, bien. Du gaz, Vincent. Ben là, la saison dernière, on a été jusqu'en finale de France, où malheureusement, on perd. Et pour nous, c'était une année énorme. J'avais un petit peu d'appréhension en arrivant ici, parce que c'est vrai qu'ils montent sur une division supérieure. Physiquement, peut-être qu'il y a un déficit, mais au final, le fait de déplacer le ballon, d'utiliser toute la largeur du terrain, leur permet de pouvoir mettre à mal les équipes adverses. C'est bien de pouvoir décaler, mais avant de décaler, on monte 2-3 pas et après on décale. Ça marche ? Depuis le début. Filet filant qui est extra. Intéressant. Ah oui. Donne-moi-le. Ça fait donc 2 ans que je suis bouché. Avant j'étais comptable sur Bordeaux, tout autre métier. Je suis bouché, donc après ben, ça se retrouve peut-être sur le terrain. Un boucher qui joue au rugby, ça reste un boucher. Bon, ce que j'aime particulièrement, c'est la touche. Ça c'est mon dada, comme on dit. Paul, tu peux attendre un tout petit peu avant de sauter encore. Hein ? Au dernier moment. Tom, t'es déjà comme ça, je sais que tu vas reculer. Ouais, ouais, je sais que tu vas reculer. Mets-toi vraiment en position comme ça, comme si t'allais lifter, ouais. Parce qu'il faut vraiment que tu fasses ta fin. Clac, et on recule. Je cours pas très vite, je suis pas très puissant, je prends les ballons en touche, et dans l'esprit, on va dire, du club, c'est-à-dire, on n'a jamais été très gaillard ou comme ça, mais beaucoup d'envie. Franchement, je suis surpris par le niveau de jeu. Le fait que j'ai mon pied à l'intérieur du couloir, il ne pourra jamais passer devant toi et tu ne pourras jamais être contré. Tu protèges ton sauteur et toi, tu prends ton couloir. Ça marche ? On réessaye ? Ça roule ? Tu prends comme ça ? Il a apporté une concentration à l'entraînement, comme on a parlé avec les autres entraîneurs, comme on n'a jamais vu. Alors que d'habitude, moi, je suis toujours en train de dire « Attention le lift, t'as pas fait ça ». Là, vendredi, il n'y avait rien besoin de dire. Les joueurs, ils étaient concentrés, le moindre truc. Les choses les plus simples, au plus haut niveau, marchent à chaque fois. Et puis, il le regardait un petit peu. Bon, déjà qu'il est très grand, mais moi, j'étais pareil, j'étais comme eux, quoi. Franchement, c'est ça qui a de vraiment bien. Et ce soir, c'est l'équipe des supporters qui nous fait manger. Et donc, tout le monde, ce qui est possible, reste manger. Donc, vous êtes tous invités à rester à boire un coup et manger avec nous. Avec et déguster plaisir. Ça, je bon, pense qu'ils vont vous gâter. Depuis le début. Depuis le...
normalement on prend 1 kg le vendredi. Vous allez voir, et les desserts faits maison par ces dames. Le repas du vendredi, c'est quelque chose d'hyper important. Il y a ce qu'on appelle les équipes dirigeantes qui organisent et chaque équipe se relaie pour nous faire à manger. Et toutes les 6 ou 7 semaines, les supporters, parce qu'on a un club de supporters hyper actifs, nous fait à manger aussi. C'est à celui qui fera le meilleur repas, quoi, le meilleur repas du vendredi soir. T'as l'impression de revenir à ce qui se faisait il y a 30 ans, le vrai repas, avec l'association qui s'occupe d'organiser le repas, avec un repas gargantuesque, entrée, plat, dessert, un petit verre de rosé, un verre de rouge, un peu d'armagnac à la fin, un peu gnôle, c'est complet. Voilà, c'est pour des moments comme ça qu'ils jouent au rugby et qu'ils arrivent à trouver une certaine cohésion. Aujourd'hui, on a des présidents qui font la fête avec les jeunes comme s'ils étaient toujours joueurs. On a les anciens et les jeunes de l'équipe, on fait la fête tous ensemble. Et ça a toujours été, c'est vrai que c'est un lieu commun, mais à la base, l'ambiance a toujours été un super moteur pour faire venir des joueurs extérieurs aussi. On dit toujours qu'ils sont payés avec une tranche jambon, un œuf frit et un pion de rouge, quoi. Voilà, ça reflète exactement le cœur. On s'est jamais trop fait bouger, mais ça reste des mecs qui descendent de Lourdes, de la montagne, des mecs qui vont être accrochés à des valeurs. Ciao, à dimanche. Depuis le début. J'ai jusqu'à 20 ans, sachant que j'ai passé 3 ans à l'Élan Bernay-Porthez au centre de formation. Tous les mercredis, je disais rien à personne et j'allais me faire mes petits entraînements au Racing Club de France. Fin de saison, il a fallu choisir. J'ai eu l'opportunité soit de commencer le rugby à zéro et de tenter l'aventure à 20 ans, soit de partir à Bondy, qui était en Pro B à l'époque et qui me proposait un contrat pro. Mais le fait est que je sois parti au rugby m'a plutôt souri. J'ai découvert cette salle quand j'avais 16 ans. À l'époque, c'était la Coupe du Sud-Ouest. Et mes premiers matchs de basket en Coupe du Sud-Ouest sont faits à Basse. Il y a plein de petits villages, donc il faut 5 personnes pour faire une équipe. Donc ça demande moins de moyens que le rugby. Et donc ça a toujours été très prenant ici, quoi. On a beaucoup de joueurs qui ont joué au basket avant. Donc voilà, là, ils s'amusent. Il y en a qui basket, d'autres à lancer le ballon. Ça prend 10 minutes et après nous, les avant, quand même, on va revoir, quelques touches tranquilles avant de remonter pour aller dans les salles. Bon, les mecs, ça permet aussi de pouvoir se détendre, de pouvoir lâcher un peu la pression avant le match. Pas de la pression. Aujourd'hui, on a de la chance, c'est parce que c'est un match qui va se jouer à l'engagement. Je le dis tous les dimanches, un mec qui a le ballon, un mec qui a le soutien. Et aujourd'hui, on a quelqu'un qui a montré l'exemple au plus haut niveau de ce qu'était l'engagement. Ce que vous faites offensivement, c'est parfait. Sur la touche, sur la technique, Tom, parfait. Sur les soutiens, on est bon. Le seul truc, c'est défensivement, où il faut un petit peu se réveiller, prendre un petit peu de recul, être 50 cm derrière les regroupements, pouvoir monter, regarder son vis-à-vis. Il faut gagner les duels aujourd'hui. On fait des gros déblayages, faut que les ballons soient remis. Vous êtes 3 ou 4 devant, allez mettre dans l'avancée et continuez à faire le job.
Président, félicitations. Bien à ça. Félicitations. Ah oui, ce soir, on l'avait pas dit, les gars, mais le club fait la réception en haut, donc il y a les tapins et tout. Allez. En deuxième mi-temps, on en a chié et après, on a réussi à revenir en étant vaillant. Et voilà, je suis mort. Cette défense à la fin, je peux vous dire que les petits vieux, ce soir, ils vont vous en parler. Et ça, ça laissera des traces. Je suis heureux qu'on ait eu cet engagement et qu'on ait fait vraiment le nécessaire. Putain, j'ai l'impression de revivre ce que je vivais à mes 20 ans. Et ça, ça m'a vraiment fait énormément plaisir que vous puissiez m'accueillir comme ça et qu'on puisse partager. Et aujourd'hui, je suis très fier de ce que vous avez fait. Bon, à un moment donné, il va falloir regarder en haut, comme l'a dit Guillaume, tu sais. Je pense que vous avez largement les capacités pour viser le haut et puis tenter l'aventure, quoi, tout simplement. Merci encore de votre accueil et puis à Abbas, messieurs. Ce que tu n'arrives pas à retranscrire, c'est ce qu'il peut y avoir au vestiaire. Ça passe par l'odeur, ça passe par le visuel, ça passe par les gens qui se serrent, les petits mots aux uns et aux autres. Et ça, ça s'explique pas. Ça doit se vivre. Et j'ai eu la chance de pouvoir le vivre aujourd'hui. Donc non, j'ai passé vraiment une belle après-midi. Ouais.